رتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Ce verset, il est particulier dans la forme. Lorsque vous prenez des versets similaires, il y a une particularité, il y a une petite nuance qui a son importance, parce que le Créateur choisit chaque mot à dessein, choisit chaque particularité à dessein pour un but précis. En l'occurrence, lorsqu'il nous parle dans le Coran, il dit par exemple يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُلْ يَسْأَلُونَكَ. À chaque fois, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous transmettre. Il te questionne à propos de ceci, dis-leur. Il te questionne à propos de cela, dis-leur. En revanche, lorsqu'il s'agit de la proximité avec lui, il nous dit directement « Je suis tout proche ». Il ne demande pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous transmettre, il dit directement « Je suis tout proche ». On dira ici que la forme reflète le fond. Il faut être certain de deux choses. Pour vivre agréablement sur cette terre, il faut s'attacher au ciel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ce n'est pas lui, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a besoin de nous, c'est l'inverse, c'est nous qui avons besoin de lui. Et nous avons besoin qu'il soit proche de nous. La formule, elle est la suivante: Kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Sois avec Allah et Allah subhanahu wa ta'ala sera à tes côtés, sera avec toi. Mais malheureusement, l'être humain se détourne de Dieu, c'est sa nature. Sa nature l'amène vers l'égarement, l'amène vers le fait de se détourner du Créateur. Quand tout va bien, l'être humain oublie le Créateur. Lorsque tout va mal, il s'en rappelle. Dans toutes les langues d'ailleurs, nous disons Ya Rab, nous disons Oh mon Dieu, Oh my God. Tout le monde se rappelle de Dieu lorsqu'il est dans un moment de difficulté. Mais le comportement qui doit être celui du musulman, c'est je me rappelle d'Allah, je suis proche d'Allah à chaque instant pour qu'il soit proche de moi. C'est le sens du verset Fa inni qarib, alors je suis tout proche. Et nos prédécesseurs étaient proches de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont réussi. Lorsque vous prenez Nuh, alayhi salam, pendant des années, pendant des siècles, il va appeler à Allah
et c'est parce qu'il est proche de lui que finalement il va réussir. Si vous prenez l'histoire dans son entièreté, alhamdoulilah, à la fin, malgré le déluge, c'est une grande réussite. Même si son peuple, une grande partie de son peuple n'a pas cru en lui, au final, c'est une réussite. Vous prenez Younous, alayhi salam, dans le ventre du poisson, il va crier dans l'obscurité, se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Youssouf, alayhi salam, en prison, alors qu'il est en prison, en réalité, il est libre parce qu'il est proche de Dieu. La liberté, elle est en réalité dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni qarib. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il triomphe grâce à cette proximité avec le divin. Et si tu es à proximité de lui, alors tu n'auras besoin de personne. Et en réalité, tous nos problèmes s'expliquent par le fait que nous n'avons pas suffisamment lu ce verset. Lorsque je dis lire le verset, ce n'est pas juste le lire intellectuellement, ce n'est pas juste passer comme cela. Lire un verset, en particulier celui-ci, c'est le vivre en réalité. C'est vivre avec ce verset, comprendre réellement ce que veut dire « je suis tout proche ». Et je disais, nos problèmes s'expliquent par notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, je suis au contact de musulmans qui ont divers problèmes. Souvent, je pose toujours la même question. Lorsqu'on me dit, par exemple, « j'ai divorcé », ou « mon fils vend de la drogue, qu'est-ce que l'on peut faire pour lui ?» Et souvent, on a également cette excuse que l'on se trouve, parce qu'en réalité, c'est une excuse. « Il est possédé, mon enfant est possédé. » Lorsque je pose la question, est-ce qu'il est proche d'Allah ? Est-ce que toi, qui as divorcé, le divorce, ça arrive ? C'est ainsi, cela fait partie de la vie. Mais parfois, oserais-je dire souvent, ces séparations s'expliquent par l'éloignement d'Allah, par la non-proximité avec le Créateur. Et lorsqu'on m'invoque cette raison de possession, lorsqu'on me dit c'est à cause de la possession, je pose une question. Est-ce que tu fais tes prières? Est-ce que tu es proche d'Allah? Etc, etc. Et souvent on me répond non. Mais vous savez pourquoi est-ce que l'on parle de djinn? Parce que l'on ne souhaite pas affronter la réalité. Parce qu'il est bien confortable de mettre de côté sa responsabilité et de dire c'est le djinn. Je dis souvent le djinn a bon dos. On lui fait porter... les djinns existent, bien entendu, il n'est pas question de nier cela, ce sont des versets coraniques. قُلْ أُحْيَا إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ etc. Il y a un certain nombre de versets qui parlent de cela. Je parle très précisément du fait de se trouver des excuses et de dire finalement c'est à cause d'une éventuelle possession. Nous sommes loin d'Allah, nous ne sommes pas proches de lui, voilà ce qui explique en partie nos problèmes. Alors je vais vous proposer en quelques minutes une petite liste, non exhaustive bien entendu, petite liste de points sur lesquels insister pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, c'est le fait de développer la conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, lorsque Youssouf alayhi salam fait face à Zulaykha, lorsque cette femme va lui faire une proposition, il va la refuser et qu'il la refuse, on se pose la question... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il refuse cela? C'est la proximité avec Allah. C'est la conscience de la présence du divin. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Le Créateur connaît le moindre détail, qu'il y a en nous, même si ce détail est au plus profond de nos cœurs, il en a connaissance, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, celui qui est conscient, qui est proche d'Allah, qui est conscient de cette présence, il ne fait plus ce mouvement que nous faisons toutes et tous. Lorsque l'on veut, on veut commettre un péché, moi le premier, nous sommes tous des pécheurs. Lorsque nous souhaitons commettre un péché plus ou moins grave, bien entendu, lorsque nous souhaitons en commettre un, souvent nous avons ce mouvement, je regarde à droite, je regarde à gauche, et si personne ne m'a vu, alors je vais commettre le péché. Celui qui traite avec Allah, celui qui est conscient de sa présence, ne fait plus ce regard droite-gauche. Ce qui va l'intéresser, c'est le regard vertical, regarder vers Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'il est avec lui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qui nous lie finalement à Dieu. C'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Médine, parmi les premières recommandations qu'il va faire, il y a « sallu wa nas wa niyam » prier alors que les gens dorment. Et la révélation de la prière est particulière. Il y a également dans la forme de la révélation un message. Elle n'est pas révélée de manière classique, mais le Créateur va attendre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fasse al-Isra wal-Mi'raj lorsqu'il va
ce qu'on appelle l'ascension, lorsqu'il va aller au-delà de Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, un endroit que même l'ange Jibril alayhi salam ne peut pas dépasser, le Créateur va attendre ce moment pour lui confier la prière, comme pour lui dire « je te la confie en main propre ». Elle est tellement importante que je ne la révèle pas de manière classique, mais je te la confie directement. Et je disais tout à l'heure, beaucoup de nos problèmes s'expliquent par le délaissement. Celui qui ne prie pas ne peut pas être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni qarib, Allah est proche de celui qui s'attache à lui. Allah est proche de celui qui va faire cette prière, qui est l'un des piliers de l'islam. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ce qui nous protège de sa colère, la piété, at-taqwa. Lorsque l'hiver vient, n'importe quel sensé va s'équiper contre le froid, et alhamdoulilah, nous avons, c'est l'occasion de le signaler, il faut remercier le Créateur, nous avons les moyens de nous vêtir. Il faut penser à des endroits dans lesquels des êtres humains, quelle que soit leur confession, n'ont pas les moyens de se vêtir, n'ont pas les moyens de manger. Alhamdoulilah, nous avons les moyens de nous vêtir, n'est-ce pas? Et parfois nous allons même dans l'excès. Mais nous oublions un vêtement qui est encore plus important, qui doit être porté dans toutes les circonstances et pas uniquement en hiver. Libas al-taqwa, le vêtement de la piété, dhalika khayr. Le Créateur nous dit dans le Coran, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Il nous parle de ce viatique, de cette provision. Lorsque nous voyageons, nous avons nos provisions avec nous, n'est-ce pas? Quoique aujourd'hui tout est dématérialisé, il nous suffit de prendre une carte bleue. Mais il y a un viatique, il y a des provisions que nous devons prendre au cours de ce voyage de la vie qu'est taqwa, la piété, pour nous protéger de la colère d'Allah, être proche de lui et nous protéger de sa colère. Et lorsque Ali karamallahu wajhahu va décrire la piété, il va dire al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dadu li-yawm ar-rahil. La crainte révérentielle, le fait d'agir selon la révélation, le fait de se contenter de peu, et le fait de se préparer au jour du départ. La quatrième des choses, et je terminerai par là, Inch'Allah, on m'a demandé de faire quelque chose de concis, et je vais essayer de le faire, je vais essayer d'appliquer ce que l'on m'a demandé, nous attacher à ce qu'il nous a révélé, subhanahu wa ta'ala, le verbe divin, Al-Qur'an Al-Karim. Et nous devons avoir avec ce Coran une relation tridimensionnelle. C'est cela que nous n'avons pas compris. Nous pensons que la relation que nous devons avoir avec le verbe divin se limite à la lecture. Or, cette relation doit être tridimensionnelle. La lecture, la compréhension et surtout l'application. La lecture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela fréquemment. D'ailleurs, il recevait la visite de Jibril alayhi sallam et il lisait fréquemment Al-Qur'an Al-Karim. Ça, c'est le premier élément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va même porter plainte, on le voit dans le Coran. وَقَالَ الرَّسُولُ, il se plaint au Créateur. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Il parle de sa communauté, il explique que nous avons traité ce Coran par le délaissement, nous l'avons délaissé. Vous allez dans beaucoup de foyers, le Coran est présent, mais malheureusement il est couvert de poussière, parce qu'il est utilisé comme décoration, pardon. Le Coran n'a pas pour vocation à se retrouver sur des étagères uniquement. Il a vocation à être lu, à être ouvert, et surtout, et c'est le deuxième point, dans ce quatrième point, il a vocation à être compris. Autant que faire se peut, à être compris. D'où l'importance, entre autres, de la langue arabe, de faire des études, un minimum, ce n'est pas obligatoire. L'apprentissage du Coran lui-même n'est pas obligatoire. C'est ce que l'on appelle fardo kifaya, c'est-à-dire si une partie de la communauté s'en charge, alors l'obligation est levée pour le reste de la communauté, ce qui est le cas, alhamdoulilah, il y aura toujours un minimum de musulmans qui ont appris Al-Qur'an. Mais il est important pour comprendre un texte, de comprendre la langue du texte, et en l'occurrence la langue arabe, et qui plus est de s'appuyer sur la compréhension de nos savants. Et le plus important, au final, c'est l'application, c'est appliquer ce que j'ai lu, ce que j'ai compris. Autant que faire se peut, encore une fois, parce que nous ne sommes pas des anges, parce que nous sommes des êtres humains, nous tombons, nous fautons, nous péchons. Les compagnons disaient d'ailleurs, pour nous l'apprentissage est difficile, mais l'application ne l'est pas. Et il faut être sincère. Lorsque je le lis, lorsque
je l'applique, je dois être sincère parce que sinon je me fatigue. Il est inutile de gaspiller son temps parce que le Créateur, le jour du jugement, te dira pour qui as-tu lu le Coran. Si tu expliques que c'est pour lui alors que c'est faux, il te dira va chercher ta récompense auprès de celui pour lequel tu as fait cela, la créature pour laquelle tu as fait cela. Et cette créature, et d'ailleurs c'est valable pour tous nos actes d'adoration, quel que soit, que ce soit la prière, le jeûne, etc. Si tu jeûnes pour autre qu'Allah, alors tu es en train de te fatiguer parce qu'Allah accepte uniquement ce qui est sincère. Et je disais donc, Allah te dira au jour du jugement, va chercher ta récompense auprès de la personne pour laquelle tu fais cela. Évidemment, cette personne, cette créature, comme toi, le jour du jugement, recherche la satisfaction, recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa proximité. Barakallahu fikum de m'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres épisodes. Inch'Allah, que la paix soit sur vous. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. أنت نور الله فجرا جئت بعد العصر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين chers auditeurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et bienvenue dans votre chaîne MF Web TV et nous avons la joie et l'honneur d'accueillir avec nous aujourd'hui Dr Jamal Bouhri pour parler d'un sujet d'actualité hein, on est en plein dedans. Là, le gouvernement vient d'annoncer donc, depuis hier un couvre-feu à partir de 18h sur tout le territoire hein, pour essayer de freiner cette deuxième vague. Cher Dr Jamal, bienvenue parmi nous. Barakallahu fik, Akhi Karim. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai également l'honneur de partager ce moment agréable avec toi et également avec nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors, pour commencer, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette deuxième vague ? On croyait que ça y est, c'était maîtrisé et tout. On avait permis les célébrations des fêtes en Noël, le Nouvel An et tout. Et là, maintenant, d'un coup, c'est le couvre-feu à partir de 18h. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, nous apprenons au fil des jours que le virus est toujours parmi nous et que malgré tous les sacrifices qui ont été faits en matière de confinement, de distanciation sociale et de barrières, ces mesures n'ont pas été suffisantes pour endiguer ce virus et cette pandémie. Elle est toujours parmi nous et que c'est effectivement des vagues parce qu'on a l'impression de se noyer de temps à autre. On a subi la première vague qui a fait énormément de dégâts, et sur le plan social, psychologique et économique. Et puis là, nous subissons effectivement une deuxième vague. Et là, ce qui se passe dans les services de réanimation et dans les hôpitaux, c'est que nous commençons à accueillir les patients qui ont été victimes de la contamination essentiellement à Noël, les périodes de fin d'année. Comme vous le savez, qui sont caractérisés par énormément de déplacements, parce que les familles, c'est un moment assez unique pour que les familles se réunissent. Donc les gens y voyagent, non seulement sur le territoire national, mais également international. Et donc ceci permet aux gens qui portent le virus de contaminer d'autres, même si, et comme on l'a vu avec l'arrivée du nouveau variant anglais en France, même si les tests PCR à un instant T sont négatifs, quelques jours après, parce qu'il n'y a pas de septen qui est imposé, le virus il peut se manifester au bout de quelques jours, et il peut se répandre, il peut infecter d'autres. Alors, on a énormément peur de ce variant anglais qui arrive sur le territoire national, parce qu'il est caractérisé par une grande contamination, paraît-il pas avec une énorme mortalité qui est supérieure à celle du virus classique, mais une énorme contagiosité. On n'a pas envie à ce que les hôpitaux français soient submergés, parce que c'est toujours quand les hôpitaux arrivent à un degré d'alerte que le confinement est décrété. Donc là, on fait tout pour qu'on y procède, à mon avis, par étapes. Là, c'est un couvre-feu qui est imposé entre 18h et 6h du matin, pour limiter la propagation du virus, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un couvre-feu, les courbes de ralentissement de la transmission du virus étaient là, et je pense que c'est le but qui est recherché. D'accord. Et puisque tu parles du variant anglais, il y a apparemment aussi un variant sud-africain, etc. Est-ce que c'est pour les tests de détection, est-ce que ça change quelque chose quand il y a un variant comme ça ? Est-ce que les travaux aujourd'hui de vaccins, est-ce qu'il faudrait encore un autre vaccin pour chaque variant ? Comment ça se passe ? En fait, la particularité du variant, parce que en fait, les variants en matière de coronavirus, il y en a tout le temps. Il y en a pas mal, il y en a des centaines. Mais les variants qui touchent une protéine particulière qui se trouve sur l'enveloppe du virus, qui est la protéine spike, et c'est en fait contre laquelle le vaccin ARN messager a été dirigé. Les variants qui touchent cette protéine-là sont très importants, parce que le vaccin, si jamais cette protéine spike-là, elle change, le vaccin risque de ne pas la reconnaître. Et donc,
la vaccination risque de devenir inefficace vis-à-vis de ce virus. Or, les dernières études qui ont été faites ont prouvé que malgré les mutations, malgré le variant anglais qui a touché cette protéine, bah, le vaccin reste toujours actif et qu'il n'y avait pas beaucoup de risques. Mais en fait, le danger principal qui est représenté par ce variant anglais, c'est la contagiosité, c'est-à-dire une personne, quel est le nombre de personnes qu'elle pourrait éventuellement contaminer quand elle est porteur de ce virus, comparé à une autre personne qui porte le virus classique, quoi, le coronavirus non muté. Et on s'aperçoit que le variant anglais donne beaucoup plus de cas contaminants. Et ça, c'est un vrai danger en matière de santé publique. Et vous pensez qu'après les 2 semaines là, de couvre-feu, on entend des rumeurs, des voix qui disent que peut-être ça va encore continuer, hein, le couvre-feu continue, ou peut-être refaire un reconfinement. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose de plausible, c'est quelque chose de plausible. On va vraiment vers l'inconnu. Ce qui est attendu, c'est que le couvre-feu ouvre de meilleures perspectives, ralentisse un peu la propagation du virus. Mais si les résultats escomptés ne sont pas là, il est fort possible qu'il y ait couvre-feu. Oui, c'est une éventualité qui a été avancée par le Premier ministre. D'accord. Mais puisque tu as parlé du vaccin à ARN, hein, aujourd'hui on voit il y a plusieurs pays qui ont annoncé la mise à disposition d'un vaccin, hein, Pfizer et d'autres. Beaucoup de gens aussi se demandent, hein, quelle est l'efficacité vraiment de ces vaccins. Est-ce que quand on est vacciné, ça y est, on est immunisé, ça veut dire qu'on ne va pas l'attraper une deuxième fois. Est-ce que quand on est vacciné, on peut quand même le transmettre ou pas? Il y a plein de questions déjà autour de ce vaccin. Si tu peux nous donner déjà quelques informations pour éclairer le public. Effectivement, en matière de vaccination, alors il y a un principe général, hein, qui concerne quasiment tous les vaccins, c'est que le but recherché, c'est de stimuler le système immunitaire du patient concernant un virus particulier. Et pour cela, traditionnellement, on injecte des virus soit inactivés, soit des portions de virus qui ne provoquent pas la maladie, bien entendu, chez le patient qu'on vaccine, mais qui stimulent le système immunitaire pour qu'il reconnaisse ce virus ou cette partie du virus. Et il sécrète à ce moment-là des anticorps, c'est-à-dire des éléments de défense, hein, la propre armée du corps, pour lutter contre le virus. Donc, à chaque fois qu'on fait un vaccin, ce qu'on veut, c'est que la mémoire du vaccin ou la reconnaissance du vaccin ou la carte d'identité du vaccin soit mémorisée dans le système immunitaire du corps, c'est-à-dire le système de défense du corps, pour le maîtriser dès son entrée dans l'organisme. Ça, c'est le vaccin traditionnel. Au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui a été inventée, essentiellement exploitée par les laboratoires Pfizer, BioNTech et puis Moderna, qui consiste à faire fabriquer par l'organisme une protéine spécifique du virus, là en l'occurrence la protéine S qui est portée par le coronavirus, et qui va permettre à l'organisme de développer les moyens de défense contre cette protéine et donc contre ce virus. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et c'est vrai que c'est une nouvelle technologie. On a tous été un peu impressionnés par cette invention, parce que tout le monde savait un peu comment ça allait se passer, mais personne n'avait osé. Et donc, cette pandémie-là, elle a permis de mettre en valeur cette nouvelle technologie qui, à mon avis, va transformer un peu notre façon de traiter les maladies. Mais si tu dis qu'elle est nouvelle, c'est une nouvelle technologie, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas assez éprouvée, cette technologie, pour la mettre tout de suite sur le marché? Tout à fait. Bah, comme toute nouvelle technologie, elle a besoin d'être évaluée. Jusqu'ici, les travaux qui ont été faits et qui ont été supervisés par les laboratoires,
Ils ont comporté essentiellement trois phases, phase 1, phase 2, phase 3 de développement. Et pour celles qui ont été approuvées, en tous les cas, jusqu'ici, c'est-à-dire, je parle de l'Union européenne, hein, de la France, parce que c'est le pays dans lequel nous vivons, ce sont les vaccins américains, Pfizer, BioNTech, et puis Moderna. Et puis, il y a un autre vaccin qui n'est pas du tout développé, qui n'est pas fait à partir de l'ARN messager, qui est celui de le vaccin anglais, hein, de GlaxoSmith, AstraZeneca, qui va arriver normalement sur le marché européen dans les prochaines semaines. On pense vers la mi-février. Mais en tous les cas, cette technologie de l'ARN messager, effectivement, elle est révolutionnaire. On n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul, mais nous sommes devant une telle gravité de cette affection, de cette maladie du Covid-19, que les données que nous avons de la phase 3, elles ont rassuré l'Organisation mondiale de la santé, elles ont rassuré toutes les communautés, les grandes communautés internationales, la grande communauté scientifique internationale. Et puis, tout ça a été passé, bien entendu, à la moulinette scientifique américaine et également de l'Union européenne. Et puis, le feu vert a été donné pour contenir cette maladie du Covid-19. Et puisque ce vaccin ou bien la technologie en elle-même est révolutionnelle, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir, pour d'autres maladies, pour d'autres... Alors, c'est exactement le point d'orgue, parce que là, on vient de découvrir une nouvelle méthode pour maîtriser les maladies émergentes et les maladies contre lesquelles on se bat depuis des années, comme le sida, par exemple, comme Ebola, comme d'autres maladies qui posent vraiment problème. Et je pense que ça va être révolutionnaire, parce qu'on va étendre cette nouvelle technologie pour lutter contre d'autres maladies qui sont induites par des virus et des bactéries qui, jusqu'alors, on n'arrivait pas à les contenir. Donc, je pense que ça va changer notre façon de voir le monde, notre façon de vivre les maladies et notre façon surtout de les soigner et de les prendre en charge. Et cette technologie, puisqu'elle se base sur l'ARN, elle ne touche pas justement à ce patrimoine de ce patrimoine humain, l'ADN, etc. Il n'y a rien de... C'est tout à fait normal qu'on se pose ce genre de questions. Alors, je rassure un petit peu tout le monde en disant que l'ARN messager, il n'a pas cette particularité de rentrer dans le noyau. Je ne sais pas si on peut avoir une représentation de la cellule, mais en tous les cas, la cellule, c'est comme un cercle ou un carré ou un rectangle, en tous les cas, un espace clos dans lequel il y a le noyau. Et le code génétique, qui se trouve dans le noyau, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Et puis l'ADN, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir coder son matériel, il l'envoie dans la cellule, exactement à une protéine qui s'appelle le ribosome, qui est un décodeur des messages. Il lui envoie un message par le biais de l'ARN messager. Mais en fait, l'ARN messager, il sort du noyau, mais il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Comme c'est Rabbi Sprahan Ouattara, il a conditionné un peu la protection de la cellule et de ce code génétique de l'humain avec des mouvements d'aller sans revenir, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui permettent de garantir un départ sans le retour, parce que le retour, il serait néfaste. Donc, pas tous les ARN messagers peuvent rentrer dans le noyau, et Dieu merci, parce que sinon, on serait complètement transformé, on serait des monstres, on ne vivrait pas aussi longtemps. Et donc, il y a une protection qui est là et qui est faite. Et juste à titre du savoir, il faut savoir que n'importe quel virus qui rentre dans la cellule ou qui rentre, les virus ARN, hein, ils fabriquent des multitudes d'ARN messagers. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui se passe à l'état normal. Le virus de la grippe, quand il rentre dans la cellule, il fait la même chose. Il envoie des ARN messagers. Et donc, le fait de se baser sur cette technologie pour fabriquer un vaccin qui aura pour but de nous protéger contre le Covid-19, moi, je salue cette nouvelle technologie. Bien entendu, on n'a pas le recul nécessaire, donc ça reste toujours entre guillemets, mais je crois que tous les scientifiques mondiaux soulignent une avancée importante, c'est cette technologie de l'ARN messager. Et tout le monde prédit un avenir meilleur, Inch'Allah, pour l'humanité.
Très bien. Après ce bref aperçu, on va dire, sur ce virus, le vaccin, la technologie, revenons à la vaccination en elle-même. Donc là, aujourd'hui, c'est pratiquement tous les pays qui commencent à déployer donc un plan de vaccination massif. Qu'en est-il de l'Europe et de la France aujourd'hui? Alors, très bonne question, parce que c'est vraiment la course au vaccin. Alors, il faut savoir que à partir du moment où la pandémie était là, tout le monde a réfléchi à développer les vaccins sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est aussi la course au dollar, c'est la course à l'euro, c'est la course à l'argent. C'est ça qui motive les laboratoires. En fait, il n'y a pas que l'argent, il y a également l'humanité. Mais clairement, il y a l'argent. Et le premier arrivé, le premier qui réussit à développer le vaccin, bon, bah, c'est celui qui va s'enrichir le plus ou en premier. Et pour cela, les Américains ont été, c'est la première puissance mondiale, et je pense que ce sont ceux qui ont les moyens de développement les plus importants. Ils ont été évidemment les premiers à développer ce genre de vaccin. Et dès l'annonce des laboratoires pour ce qui est de la fabrication des vaccins, tous les pays se sont engouffrés dans cette brèche pour passer précommande déjà. Donc, ils ont payé cher les doses. Il y a eu des réservations. Et après, dans un second temps, il y a eu des négociations. Donc, sans surprise, ce sont les pays les plus riches et les plus modernes, ceux qui ont la force de frappe financière, qui ont opté qui ont raflé le marché. Et après, il y a eu les pays qui ont suivi. Après, il y a eu beaucoup de géopolitique qui a joué là-dedans. Donc, il y a eu les Russes également, hein, qui ont développé leur vaccin à temps, parce que ça a été une course contre la montre. Les Chinois aussi, les Indiens et puis les Européens qui sont en queue de peloton. Donc, oui, il y a encore une guerre. La France, elle est dans l'Europe, elle a négocié des doses dans le cadre de l'Union européenne, mais elle a négocié également d'État à laboratoire. Et elle s'est procurée des doses. Il y a du retard quand même, hein. S'est procurée des doses. Donc, c'est un calendrier vaccinal qui va avoir lieu sur quasiment je dirais toute l'année, hein, parce que jusqu'ici, le calendrier, comme il a été énoncé par le président de la République, le grand public ne sera concerné qu'au milieu de printemps, c'est-à-dire à partir du mois d'avril-mai. Mais sinon, là, on commence par les personnes les plus âgées, parce que ce sont les personnes les plus vulnérables. Il faut savoir que les premières personnes qui ont décédé sont les personnes les plus âgées. Donc là, il y a un calendrier qui a été annoncé pour les personnes vivant en EHPAD, parce qu'en établissement pour personnes âgées, c'est là où il y a eu le plus de décès. Ces personnes-là, il faut dire la vérité, on ne les a pas trop accueillies dans les hôpitaux, parce qu'on a estimé qu'on n'avait pas beaucoup de place. Et donc, on les a un peu quand même laissés partir entre eux en maison de retraite. À titre personnel, j'ai une communication d'un collègue à moi qui gère 5 maisons de retraite. Il m'a dit, là, sur le Var, pas très loin là, des Bouches-du-Rhône, pas loin de Marseille, il m'a dit qu'il a perdu la moitié de ses patients, des personnes âgées qui sont. Donc c'est énorme. Quand vous perdez près de 40%, 30, 40%, jusqu'à 50% de vos résidents, vous vous posez vraiment des questions. Donc ce sont ces personnes-là qui ont au-delà de 75 ans et qui vivent en EHPAD, qui ont été les prioritaires à être vaccinés. Puis il y a eu les soignants de plus de 50 ans. Et les soignants qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies graves, hein, des maladies qui les rendent un peu vulnérables, à être vaccinés. Et à partir de lundi prochain, Inch'Allah, le lundi 18, va commencer la vaccination des autres personnes qui ont plus de 75 ans, mais qui ne vivent pas en EHPAD. Et ça va se décliner comme ça. On va descendre après à moins de. À 65 ans, et ça va aller comme ça crescendo jusqu'à ce qu'on arrive à la population générale au mois d'avril-mai
2021, Inch'Allah. Mais ce qui est sûr, c'est que la vaccination, comme elle est partie, d'après les prévisions de l'OMS, elle ne va pas donner l'immunité collective. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver à se vacciner totalement sur l'année 2021. Donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus sur l'année qui va venir. Encore une année en plus, en fait. Encore une année en plus. Ce sont les prévisions malheureuses qui ont été faites par les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, et même quand on regarde un petit peu les chiffres, je crois qu'en vitesse de vaccination, la France est à la traîne aussi. Hein. Effectivement, la France est à la traîne, et d'ailleurs, ça a été un sujet de polémique entre le gouvernement et l'opposition. Et on ne s'y est pas vraiment pris bien comme il fallait, parce que quand on voit la cartographie de la vaccination mondiale, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont bien, bien à l'avance. Et je crois qu'en Europe, il y a l'Angleterre qui est juste à côté, qui a fait d'énormes efforts. Et sur le plan mondial, il y a Israël qui est un pays de 10 millions d'habitants seulement, mais qui est arrivé à vacciner plus de 20% de sa population. Et la France, elle est de l'ordre de 0,5%. Donc, on estime arriver à 1% très rapidement. Et est-ce que le peuple français n'y est pas pour un peu dans cette histoire? C'est un peu rebelle qui veut pas se faire vacciner, qui se pose beaucoup de questions. Et effectivement, tu m'arraches un petit rictus, Karim, parce que c'est effectivement ça, c'est culturel ici en France, hein, il faut le reconnaître. Quand le vaccin il est là, on respecte, on râle, et puis quand le vaccin il n'est pas là également, on respecte, et puis on râle. Voilà, on est complètement râleur, on est connu comme ça. Je crois que c'est une identité culturelle qui fait sourire beaucoup les Français, mais c'est vrai que c'est une réalité qui pose problème. Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de dose pour tout le monde, et donc les mesures de prévention, la distanciation sociale essentiellement, et les mesures d'hygiène reviennent au premier plan. Je crois qu'il faut les observer jusqu'à ce que ceci devienne une facilité pour tout le monde. Après, est-ce que tout le monde a la volonté de se faire vacciner ou pas? Je crois que ça, c'est une liberté individuelle. Au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas obligatoire, et ça a été souligné par le président de la République, qui est appuyé par tout le monde. Mais j'ai bien peur qu'à un certain moment, on n'aurait pas le choix, parce que c'est une maladie qui tue encore, c'est une maladie qui fait des ravages et contre laquelle il va falloir prendre les meilleures décisions. Donc, concrètement, il n'y a pas d'obligation, mais il y a quand même des incitations pour se faire vacciner. Effectivement, il n'y a pas d'obligation, mais il y a pas mal d'incitations à se faire vacciner. Et je pense que de plus en plus, il va y avoir, pas des contraintes, mais presque, comme par exemple, ça a déjà été annoncé, qu'il y aurait des compagnies aériennes qui ne pourrait embarquer n'importe quel voyageur s'il ne présente pas de carnet de vaccination. Donc, il y a quand même contrainte à la vaccination qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas très affirmée, mais qui, à mon avis, va venir petit à petit. Et les gens, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller voir leur famille, leurs proches, et puis pour aller faire leurs affaires et puis prendre des vacances, seront, malgré elles, obligés de se faire vacciner. Donc, le choix reste individuel, chacun selon ses informations, ses convictions. Mais si je reviens sur un point religieux maintenant, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent se poser cette question du point de vue religieux, est-ce qu'on est tenu de se vacciner ou pas, ou c'est encore un choix individuel? Alors, très bonne question, parce que la question, elle est encore récente, et je crois savoir que les conseils de fatwa ne sont pas encore penchés sur cette décision. Ceci étant, des pays comme l'Arabie Saoudite a déjà fait connaître d'ores et déjà qu'il sera obligatoire pour faire l'Umra et pour faire le Hajj de se faire vacciner, de montrer patte blanche, de montrer son carnet de vaccination, comme quoi on s'est fait vacciner contre le Covid-19. Donc ça, déjà, ça limite un petit peu le champ à tous les musulmans, les pèlerins qui veulent aller faire le pèlerinage en Arabie Saoudite. Après, reste à ce que la communauté
nationale des savants musulmans puisse délibérer une fatwa dans ce sens. Je crois qu'il y a besoin de concertation. Au jour d'aujourd'hui, la question n'est pas encore posée parce que les voyages en Arabie Saoudite et les voyages de façon générale ne sont pas très, très libres pour aller en Arabie Saoudite. À ce que je sache, aujourd'hui, tout est fermé. Le pèlerinage ne concerne qu'une certaine population locale. Et quand la question se posera, je pense que les conseils de la fatwa se pencheront sur cette question. Peut-être certainement, ils vont demander l'avis avisé de certains musulmans qui ont un certain savoir pour la question. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la question elle est encore en suspens et on n'a pas de réponse claire sur le plan musulman pour ce qui est de cette fatwa. Mais en tous les cas, pour ceux qui veulent aller en Arabie Saoudite faire l'Umra ou le Hajj, clairement, il faut se faire vacciner. Peut-être qu'il faudra prendre de l'avance pour ceux qui veulent le faire. Très bien. Et d'ici là, donc, comme tu dis, ça va prendre du temps, peut-être toute l'année 2021 et tout. Donc, les gestes barrières, toute la panoplie de ce qu'on a fait en 2021 pour se prémunir reste d'actualité. Ah oui, mais ça reste d'actualité, ça restera encore d'actualité. Moi, je pense que, comme beaucoup, hein, moi j'avais fait le Hajj et l'Umra auparavant, j'ai toujours été surpris de voir une certaine population essentiellement asiatique de Malaisie ou du Pakistan, des gens qui se promenaient avec déjà les bavettes il y a déjà quelques années. On ne comprenait pas trop pourquoi, mais en fait, c'est des populations qui ont déjà été contraintes par le passé à vivre des épidémies, qui ont des réflexes. Et clairement, quand on vit en groupe comme ça, je pense qu'il faudra avoir des réflexes tels que cela, mettre la bavette. Il faut que ça devienne un réflexe quand on a le rhume, quand on éternue, quand on a une rhino, quand on a une bronchite. Il faut que ça devienne un réflexe. Et je pense que désormais, quand on ira chez le médecin, quand on ira dans certaines collectivités, dans certains lieux publics, je pense que le port du masque, il va rentrer dans nos mœurs et ça deviendra un usage régulier, un usage de tous les jours. Puisqu'on parle de l'Hajj, justement, moi je tiens à vous dire que je travaillais au SAMU de Marseille, je travaillais au bataillon des marins-pompiers de Marseille, on était très attentifs au coronavirus déjà il y a quelques années, parce qu'en 2012, il y a eu une épidémie en Arabie Saoudite. Du MERS-CoV. Et en fait, c'est toujours le même virus, c'est toujours de la même famille. Et on pensait à une contamination qui venait de la chauve-souris qui avait contaminé le dromadaire. Et le virus, il est passé à l'homme, on pense par de la viande pas bien cuite, mais on pense essentiellement au lait qui n'était pas stérilisé, c'est-à-dire directement du dromadaire, directement à la bouche de l'humain. Et on reste toujours attentif quand il y a des retours de l'Hajj, justement, ou des retours de l'Amra, à tous ceux qui reviennent avec des nez qui coulent, et des toux, des fièvres et compagnie. Jusqu'ici, il n'y a eu que deux cas, depuis 2012, hein, il n'y a eu que deux cas qui ont été affirmés MERS-CoV hein, au coronavirus en France. Et donc, le conseil que je donnerai, bien entendu, pour l'avenir, tous ceux qui voyageront et puis qui iront dans des collectivités comme ça, publiques, je le recommande fortement de porter non seulement le masque, mais qu'ils aient les solutions qu'il faut pour pouvoir se désinfecter. Il faut faire très, très attention à l'hygiène. Très bien. Docteur Jamel Zekri, nous arrivons donc au terme de cette émission. Un petit mot, un petit conseil pour finir l'émission. Barakallahu fik akhi Karim. Moi, je souligne deux ou trois points qui sont importants. Au jour d'aujourd'hui, la vaccination n'est pas obligatoire, elle est au choix. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que la vie est très précieuse, et ça a été souligné par les différents versets, par la jurisprudence. Il faut se donner les moyens de préserver cette vie, parce que même, il faut savoir que quand on est malade, quand on s'aperçoit qu'on est malade, quand les symptômes sont là, 48 heures auparavant, nous étions déjà infectants. Ce vaccin,
il évite les formes graves, et c'est pour ça qu'on a commencé par vacciner les personnes âgées, mais il n'évite pas la transmission. C'est-à-dire, on peut être vacciné, on peut porter le virus, on peut ne pas développer la maladie, mais on peut la donner. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas donner ce virus à des personnes qui sont vulnérables, des personnes âgées ou autres. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Malgré la vaccination, il faudra faire très attention aux personnes âgées, aux personnes qui ont des cancers, qui sont sous chimiothérapie, des personnes qui ont des problèmes d'immunité, des personnes qui sont porteuses de maladies chroniques telles que le diabète, l'asthme, des choses comme celle-ci. Il faudra faire attention. Et je souligne aussi un autre point, c'est qu'il y a un courant complotiste, hein, qui est là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des gens qui sont contre le vaccin, c'est tout à fait recevable, chacun défend sa conviction, mais il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution à proposer que le vaccin. Donc il y a des vaccins qui vont arriver sur le terrain qui ne sont pas forcément à force de, qui sont pas à base d'ARN messager, il y a d'autres vaccins classiques, comme ceux qu'on a connus, comme ceux de la rougeole ou de la rubéole ou la grippe ou autres, qui sont beaucoup moins, on va dire, sur lesquels on a déjà du recul parce que c'est des vaccins classiques. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner par l'ARN messager, c'est leur liberté, ils ont la possibilité de se faire vacciner par des vaccins classiques qui vont arriver. Ça sera essentiellement les vaccins français qui vont arriver cet été sur le marché. Donc, pour tous ceux qui auront la possibilité de surseoir à cette maladie-là, qu'ils le fassent. Le recul sur le vaccin, jusqu'ici, c'est 8 mois parce que ces vaccins, ou cette maladie, depuis qu'on a commencé à la documenter, ça fait 8 mois. Et les gens qui ont développé des anticorps, on sait que ça peut aller jusqu'à 8 mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça tient. Est-ce que ça tiendra d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans? Allahu a'lam. Il n'y a pas assez de recul pour savoir les gens qui se font vacciner aujourd'hui sont protégés pendant combien de temps. Est-ce que les nouveaux variants qui vont arriver, certainement, il va y avoir des mutations parce que c'est la caractéristique du virus. Est-ce que ça fera que les vaccins seront toujours d'actualité? Point d'interrogation là encore. Est-ce que ça fera des virus plus virulents, des virus moins virulents? On ne le sait pas. Donc tout cela sont des points d'interrogation. Mais la science, au jour d'aujourd'hui, dit qu'il faut le faire vacciner. Et moi, personnellement, j'allais me faire vacciner. J'avais une invitation. Je me suis porté volontaire à me faire vacciner vendredi, samedi. Ça ne s'est pas bien passé parce que le système n'est pas très bien fait en matière de convocation de SMS. Je ne l'ai pas reçu, mais normalement, il est prévu, Inch'Allah, que je me fasse vacciner dans les prochains jours. Donc, je pense qu'il était assez important, pour ne pas donner la leçon à tout le monde, de dire, puisqu'on parle de vaccination, de dire que moi, personnellement, je suis volontaire à me faire vacciner, à vacciner tous ceux qui me le demandent. D'ailleurs, j'ai une énorme demande de mes patients. Et je leur dis qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, il a mis en place des systèmes pour prendre des rendez-vous sans faire de publicité à des logiciels tels que Doctolib, tels que Maya, tels que Keldoc, et puis le site InfoSanté, qui est là en public, avec un numéro de téléphone qui commence par 0820, mais qui est submergé, mais je pense que ça va se décompter, Inch'Allah, dans les prochains jours. Donc voilà, mon conseil, c'est préservez-vous, réfléchissez bien, vous avez la liberté, mais la vie, elle est à préserver. Je pense que vaut mieux aujourd'hui se faire vacciner que de rester en expectative, mais c'est une liberté qui est garantie par la conscience et qui est garantie par les libertés. Et je sais que beaucoup de gens attendent l'exemple du gouvernement. Ils attendent qu'ils se fassent vacciner pour le faire. Effectivement, dans les pays qui ont pris énormément d'avance, en fait, les présidents et les chefs de gouvernement se sont fait vacciner. Je pense qu'en France, on ne pourra pas le reprocher à Emmanuel Macron parce qu'il a attrapé la maladie du Covid-19. Et on sait que les gens qui ont déjà développé la maladie, ceux-là, ils ne l'auraient pas recommandé de se faire vacciner. Donc, on attend des autres personnalités qui sont aux commandes de l'État, qu'elles se portent volontaires et qu'elles donnent l'exemple. Et je pense que ça inciterait Monsieur Tout-le-Monde à se faire vacciner. Très bien.
Merci, docteur Jamal, pour tous ces éclaircissements. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci de votre attention, chers auditeurs, et je vous dis donc à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. La modestie est une vertu bien rare, mais tellement nécessaire pour que nous vivions en bons termes avec notre entourage. Car l'orgueil est un vice bien vilain qui crée beaucoup de crispations, beaucoup de conflits et de zizanie. Rien de pire que d'être aux côtés d'une personne pédante, condescendante, qui vous méprise et qui vous rabaisse, et quoi de plus beau que d'être en compagnie d'une personne humble, modeste. Et nous devons prendre exemple sur ces gens. Alors je vous propose à nouveau, puisque nous l'avions fait dans de précédentes vidéos, de nous intéresser aux différents aspects de la modestie de l'homme le plus humble qu'a connu l'histoire, le prophète de l'islam. Nous avions dit qu'il était simple dans son apparence, qu'il se mélangeait aux gens et qu'il ne cherchait pas à se distinguer. Deuxièmement, nous avions dit qu'il était accessible. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux autres aspects. Le premier, c'est qu'il mettait en valeur les gens. Alors que l'homme orgueilleux, au contraire, il s'élève en écrasant les autres. Le prophète de l'islam connaissait les gens qui le côtoyaient et il repérait chez eux leurs qualités et il les mettait en avant. Ainsi, nous avons aujourd'hui des encyclopédies, des hagiographies qui retracent la biographie des saints de l'islam, à commencer par les compagnons, et généralement nous avons, pratiquement tout le temps, un compliment que le prophète de l'islam a fait au sujet de tel et tel compagnon. Le prophète de l'islam valorisait les gens faibles, les gens oubliés, les gens dévalorisés. Une femme à la peau noire, anciennement servante, avait pris l'initiative, ô combien admirable, de nettoyer la mosquée bénévolement. C'était une femme de ménage bénévole. Et un jour, le prophète a remarqué qu'elle n'était pas là. Il va demander de ses nouvelles et on lui annonce qu'elle est décédée durant la nuit. « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé ?» s'étonne le prophète. Les gens, encore plus étonnés, disent « Mais prophète, tu dormais, on ne va pas te réveiller pour ce type de personne. » Quand même pas. Et le prophète de dire « Non, ma prière est une lumière pour ces personnes. Indiquez-moi sa tombe et il va prier en personne sur elle. » C'est-à-dire qu'il l'a valorisée. Parce que ce qui fait le mérite d'une personne, ce n'est pas son statut social, son intelligence, sa couleur de peau, mais c'est la pureté de son cœur et le bien qu'il fait. Notre Seigneur nous dit, le plus noble aux yeux de Dieu est la personne qui a la plus grande piété, c'est-à-dire le cœur le plus pur et celui qui fait le plus de bien. Le prophète de l'islam aimait un paysan qui était, d'après les témoignages de l'époque, laid, il n'était pas beau et il était paysan, il vivait aux alentours de Médine et il venait dans le marché de Médine pour vendre ses produits artisanaux et également ses produits agricoles. Et le prophète de l'islam, un jour, en entrant au marché, le repère et il vient par derrière, en catimini, et il le prend en le serrant, sans que cet homme qui s'appelle Zahir ne le voie. Alors il se débat
Et puis, en tournant sa tête, il remarque que c'est le prophète, et ça lui fait plaisir, et il comprend que c'est une farce. Le prophète continue la plaisanterie en prenant la main de Zahir et en la levant et en disant aux gens « Qui veut acheter ce serviteur ? Qui veut acheter ce serviteur ?» Zahir, se prenant au jeu, dit au prophète « Mais tu sais très bien que tu ne vas pas tirer de moi beaucoup d'argent. Les gens ne m'accordent pas beaucoup de valeur. » Et le prophète va faire ce commentaire « Sache qu'aux yeux de Dieu, tu es très précieux. Tu as une grande valeur. » Regardez comment le prophète, par ce jeu, il l'élevait, le mettait en valeur et par cette parole et ce compliment, il faisait son éloge. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, appréciait un homme qui s'appelait Julaybib, qui était également un homme pas très beau et puis surtout pauvre. Et il va intercéder en sa faveur pour lui trouver une femme. Et il va lui dire, va frapper à la porte de telle famille et dis-leur que c'est moi qui t'envoie pour demander la fille en mariage. Alors Julaybib se présente, le père ouvre la porte, il lui dit, le prophète m'envoie pour demander la main de votre fille. Alors le père comprend que c'est le prophète qui demande la main de la fille, qui veut l'épouser, et il est au comble de sa joie. Mais Julaybib très vite rectifie en disant, mais non, le prophète m'envoie pour que moi je demande la main de votre fille pour moi-même. Il n'est qu'un intermédiaire. Et là, c'est la déception la plus totale. Mais la fille qui entendait ça va dire à ses parents, ne refusez pas, car c'est le prophète qui nous l'a proposé, c'est donc quelqu'un de bien. Et il va se marier avec elle. Et cet homme va décéder au champ de bataille, il va tomber martyr. Et le prophète, après la bataille, va demander aux gens qui est mort. Et on lui cite des noms, et il dit « Oui, mais qui encore ?» Jusqu'à dire « Mais vous ne m'avez pas cité Julaybib ? Cherchez-le » Et on va le trouver mort, et le prophète va l'enterrer de lui-même. Là encore, on a affaire à un prophète modeste et humble qui aime les gens simples, et qu'il les met en valeur. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, rendait visite à des gens qui étaient vraiment de petites gens, comme cette femme, Umm Aymen, qui était très âgée. Bon, il s'agissait quand même de celle qui l'a pris en charge quand sa mère est morte, pendant quelque temps. Mais c'était une femme qui était très simple. Et il va rendre visite à un serviteur juif qui lui rendait des services. Il va rendre visite à des gens malades. On a donc affaire à un homme d'État au contact du peuple. Parlons maintenant d'un autre aspect de sa modestie. Le prophète de l'islam est au service des gens. Quand on est un homme de pouvoir, imbu de sa personne, au contraire, nous demandons aux gens d'être à notre botte, de faire ce qu'on leur demande. Le prophète de l'islam était au service des gens, il était serviable. Il disait aux gens, sa femme, Aïcha, disait, quand on l'interrogeait au sujet du comportement du prophète dans sa vie privée, elle disait, c'est un homme comme un autre. Chez lui, il rapiéçait ses vêtements, il réparait ses sandales, il trayait sa chèvre. Donc c'était quelqu'un qui participait aux tâches domestiques. Il se rabaissait à faire des choses qui ne sont pas normalement de son rang. Et voire même, le prophète servait les gens. Et c'est pour ça que Abu Ayyub al-Ansari nous dit « J'étais avec le prophète et nous avons servi de l'eau aux gens. » Et c'était lui qui versait l'eau. Et lorsqu'il ne restait plus que lui et moi, il m'a versé l'eau en disant « Bois ». Et je lui ai dit « Non, prophète, c'est à toi de boire. » Et le prophète de me répondre « Non, celui qui sert doit être le dernier à se désaltérer. »
prophète de l'islam, lors d'un voyage, va faire une halte et un des compagnons va dire « Prophète, moi je m'occupe de sacrifier une bête pour en faire un repas » et un autre de dire « Moi, je vais la dépecer et couper la viande » et le troisième de dire « Et moi, je vais préparer la cuisson » et le prophète va dire « Quant à moi, je vais ramasser le bois » et les gens vont dire « Non, non, prophète, c'est plutôt nous qui allons le faire » et le prophète va dire « Non, pourquoi ? Faites ce que vous avez dit et moi, je vais ramasser le bois » Le prophète de l'islam remarque un jour sur le mur de la mosquée, et c'était la direction de la prière, l'orientation de la prière, la qibla, il remarque un crachat. Il est rouge de colère, il dit aux gens que ce n'est pas bien, et au lieu de dire « c'est à celui qui a sali ce mur de réparer sa faute » ou bien de dire à des serviteurs de s'en occuper, c'est lui, de sa propre main, avec un caillou ou un morceau de bois qui va faire le nettoyage. Donc il sera baissé à faire des tâches de travail ingrates. Mais il voulait donner l'exemple et dire il faut se rabaisser à faire de petites choses parce que ça éduque notre ego. Le prophète alayhi salatu wassalam était un chef de chantier. Il a au moins dirigé deux chantiers, la construction de sa mosquée et le creusement du fossé. Et dans ces deux chantiers, le prophète ne se suffit pas de donner des ordres et des consignes, mais il participe physiquement au travail. Allahumma, ya raziq as-sa'ilin, ya rahim al-masakin. ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي يا رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا إليك مخبتا أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم أقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك وصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي